passé par là, l'esprit ouvert, sans m'attendre à la rencontrer. Dans sa vie, j'ai vu de la lumière. Alors je suis entré. Grand corps malade, c'est lui qu'ils sont venus nombreux applaudir hier soir à Porto Latino. Et pour ça, beaucoup sont venus très tôt, malgré la chaleur. Dès l'ouverture des portes à 19h, les premiers arrivés choisissent leur place. On a eu peur quand même, parce qu'on s'est dit qu'on allait rester debout jusqu'à 23h, mais non, apparemment c'est bien installé. Je croyais que c'était un truc VIP, non, mais pas du tout. Alors oui, on est bien installé. C'est quand même plus agréable. Arriver tôt pour être bien placé, car ce soir, jeunes et moins jeunes sont surtout venus pour... Ah, Grand Corps Malade, mon idole depuis des années. Grand Corps Malade, c'est des musiques qui me portent. Y a une écriture extraordinaire, une sensibilité. Et ça raconte vraiment nos vies de parents, de femmes. C'est vraiment un bel artiste. En quelques heures, à la tombée de la nuit, la pelouse s'est remplie. Pour cette deuxième soirée, Porto Latino à Bastia fait le plein. Je crois qu'on peut parler de réussite déjà parce qu'il y a du monde sur les deux premiers jours avec une belle proposition artistique et avec le public qui répond présent. En première partie, Yelena. À 25 ans, cette jeune Bastiaise égrène sur scène ses textes empreints d'intimité. La jeune artiste est émue. Je redescends à peine. C'était incroyable. Enfin, le public était incroyable. C'était fou. Mais si Yelena avait son fan club, les spectateurs eux, ont dû attendre 23 heures pour écouter leur idole. C'est par là l'esprit ouvert, mais pas vraiment concentré. Dans ce bar, j'ai vu de la lumière. Alors je suis entré. Accompagné de 6 musiciens et de nombreux effets spéciaux, c'est un spectacle festif que Grand Corps Malade a offert à son public. Très très bon chanteur, très bon musicien, bonne ambiance, donc franchement le top. Voilà. Moi c'est pas un artiste que j'ai l'habitude d'écouter, mais en vrai il a mis de l'ambiance, c'était fou, et on t'aime Grand Corps Malade.